XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces richesses qui se conquéraient au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil guider ses pas au cœur du pays Inca vers la richesse de l'histoire des mystérieuses cités d'or? 5 siècles plus tard, en me rendant au Pérou, je m'attendais à observer des choses étonnantes. Mais j'étais loin d'imaginer que ce que j'allais découvrir trouverait autant d'écho avec les légendes des mystérieuses cités d'or. Ce que j'ai trouvé démontre que des relations existaient entre l'Europe et l'Amérique du Sud bien avant la conquête du Nouveau Monde. Si lorsque les conquistadors espagnols découvrirent la ville de Cusco, ils firent la découverte du temple de Coricancha, orné de décorations en or pur, ces derniers, obsédés par l'attrait de l'or, sont passés à côté de l'essentiel. Le temple du Coricancha est une merveille d'architecture. Les pierres très dures y sont assemblées sans mortier. La fin de l'ouvrage est digne des plus grands maîtres tailleurs de pierre. Le soin qui fut mis dans cette réalisation devrait nous inciter à étudier avec plus d'attention ce temple extraordinaire. En langue quechua, qui est la langue des Incas, Coricancha signifie « l'enceinte de l'or ». Prenons au pied de la lettre cette traduction. Le temple du Coricancha est composé de plusieurs salles. La salle principale, la plus grande, est exactement proportionnée au ratio du nombre d'or, avec une précision de l'ordre du centimètre. Rappelons brièvement ce qu'est le nombre d'or. Donc le nombre d'or, c'est 1,618. Et ce nombre, en fait, il a une caractéristique mathématique qui est particulière. C'est-à-dire que si on en prend le carré, on va obtenir 2,618. Si on en prend l'inverse, on va obtenir 0,618. Donc le nombre d'or, en fait, si on prend l'inverse, c'est le nombre d'or moins 1. Et si on en prend le carré, c'est le nombre d'or plus 1. Et il est le seul nombre, en fait, à avoir cette caractéristique mathématique. Et alors, vous allez me dire, à quoi ça sert ce nombre d'or? Alors, ce nombre d'or, en fait, c'est une constante de l'univers, dans le sens où pratiquement tous les êtres vivants, sans qu'on s'en rende compte, on est comme préformaté par ce nombre-là. La croissance des coquillages, la croissance des végétaux, et également les proportions du corps humain, pourraient répondre du nombre d'or. C'est également quelque chose qui est très utilisé d'un point de vue esthétique, dans l'art, que ce soit les artistes qui l'utilisaient déjà à la Renaissance, mais dans tout un tas de domaines, comme la publicité également. La longueur de l'enceinte, 12,944 m, divisée par 1,618, est égale à 8 mètres pour la largeur. Tiens donc, la largeur intérieure de l'enceinte est de 8 mètres, soit un nombre entier de mètres. Cette observation est en soi étonnante, car l'usage du mètre n'est en théorie pas possible en Amérique du Sud à l'époque supposée de la construction de ce temple. Cela pourrait passer pour un pur hasard si la largeur extérieure de cette salle ne mesurait pas exactement 10 mètres au millimètre près. Et si l'épaisseur des murs de l'enceinte ne mesurait pas, eux aussi, 1 mètre. Les bases de l'enquête sont déjà posées. Le temple du Coricancha, qui est au cœur de l'Empire Inca, a été construit avec l'unité de mesure improbable qu'est le mètre. L'unité métrique n'est pas censée avoir existé en Amérique du Sud. En effet, cette unité de mesure nous est présentée comme une invention française des scientifiques du XVIIIe siècle. Jean-Baptiste Delambre et Pierre-André Méchain avaient pour mission de mesurer le méridien de la Terre pour en tirer une fraction de 1/40 millionième et ainsi en déduire le mètre. Ils mesurèrent une fraction de méridien entre Dunkerque et Barcelone pendant 7 ans.
Il leur fallait pour cela mesurer les angles entre différentes collines et monuments visibles de loin. Se pourrait-il que dans un passé lointain, cette expérience fût déjà accomplie et que les anciens savants aient eux aussi choisi la division du cercle en 40 millions, ce qui semble simple et logique, car nous avons quatre axes cardinaux, nord, sud, est et ouest. Et diviser la Terre en quatre parties apparaît dès lors évident et universel pour l'observateur que nous sommes. Cette salle est séparée d'une autre salle identique, par un couloir. Or, en mesurant ce couloir, j'ai constaté qu'il mesurait exactement 1,618 mètres, soit l'expression du nombre d'or en mètres. L'enceinte de l'or porte vraiment bien son nom. Nous y reviendrons plus tard, car ce temple est loin de nous avoir livré tous ses secrets. En attendant, il convient de se poser une question que de très rares observateurs se posent. Pourquoi a-t-on construit ici, à Cusco, les temples incas les plus impressionnants, que sont le Coricancha, la citadelle de Sacsayhuaman, le site mégalithique de Kenco ou le temple d'Inca Roca? Ces constructions interpellent les curieux, qui se demandent comment il fut possible d'agencer des blocs de pierre avec une telle finesse sans mortier. Certains blocs de Sacsayhuaman pouvant atteindre 100 tonnes. Certains y voient la preuve d'une technologie moderne. Je n'en suis pas aussi certain. Nous ne devons pas tenter de comprendre ces observations à travers notre modèle social et moderne du travail. Dans toute construction, répond un souci de rentabilité. Le temps et l'argent sont comptés, ce qui rend impossible la recherche de perfection. Bien des cultures nous précédant considéraient avec beaucoup d'attention la recherche de la perfection dans l'exercice de leur activité. Que ce soit les menuisiers, les peintres, les forgerons ou les tailleurs de pierre, qui, comme Michel-Ange, nous donnent un aperçu de l'incroyable travail de la pierre avec des moyens simples. La question des moyens reste et restera probablement un mystère. Par contre, nous pouvons tenter de répondre à la raison pour laquelle ce lieu fut choisi pour ses constructions. Cusco veut dire « nombril du monde », en référence, nous dit-on, à la grande enceinte circulaire au-dessus de la ville. Pour tenter de comprendre en quoi les quatre lieux majeurs de Cusco, qui sont le Coricancha, Sacsayhuaman, Inca Roca et Kenco, sont importants, il faut se reporter à l'astronomie. Et notamment les relations qu'entretiennent les lieux avec les couchers de soleil lors des solstices. D'ailleurs, la grande fête de l'Inti Rami à Cusco est célébrée le jour du solstice. Cette fête si importante a résisté à 500 ans d'influence coloniale. Il est possible de calculer avec un logiciel l'angle exact du lever de soleil au solstice. Et enfin, en tenant compte du relief environnant, nous pouvons connaître l'angle que forme le premier rayon de soleil du solstice avec celui de l'axe est-ouest, c'est-à-dire l'axe des équinoxes. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que cet angle de 24,09 degrés correspond non seulement à celui d'une figure géométrique simple et importante, mais qu'il est marqué entre des monuments majeurs sur une grande distance entre le site de Kenco et la Porte du Soleil à l'entrée de la vallée de Cusco. Cet angle, de 24,09 degrés, c'est exactement celui de la diagonale d'un rectangle qui mesure 1 sur le petit côté
et racine de 5 sur le grand côté. Vu comme ça, cela vous semble compliqué. Mais si on trace ce rectangle avec un simple tracé géométrique, c'est beaucoup plus facile, vous allez voir. Je trace un rectangle, deux fois plus long que sa hauteur. Je rabats sa diagonale pour obtenir la longueur finale d'un autre rectangle. Cet autre rectangle est celui qui permet de déterminer les axes solsticiaux à Cusco. Ce principe, c'est ce qu'on appelle de l'astrogéométrie. C'est une science ancienne, redécouverte ces dernières décennies, par de rares chercheurs, persévérants et audacieux comme Howard Crowhurst. La racine de 5 est le nombre qui permet de connaître le nombre d'or. Il contient le nombre d'or et son inverse. 1,618 plus son inverse 0,618 égale racine de 5, c'est-à-dire 2,236. Le nombre racine de 5 est très important dans les anciennes cultures. Je le répète souvent, car je l'observe souvent dans les mesures et les angles ou les rapports de proportion, que cela devient évident. Par exemple, à Teotihuacan au Mexique, le rectangle qui encadre les trois pyramides mesure 2,236 km. Quant au périmètre de la pyramide du Soleil, il est de 4 fois 223,60 m. La mesure de racine de 5 en mètres est redondante sur ce site majeur au Mexique. Alors à Cusco, ce qui est particulier, c'est qu'on observe que l'angle du lever au moment du solstice, donc qui se produit, on l'a vu dans la diagonale d'une figure géométrique simple, c'est-à-dire un rectangle de 1 par la racine de 5, et bien cet angle-là, en fait, c'est l'angle moyen sur un cycle de 41 000 ans, qui est le cycle, si vous voulez, d'oscillation de l'axe de la Terre, puisque l'axe de la Terre, en fait, sur ce long cycle de 41 000 ans, il va bouger un petit peu, et du coup, on va observer une petite variation de l'angle du solstice. Donc cette variation, elle est légère, mais il se trouve qu'à Cusco, l'angle moyen, en fait, eh bien, va nous donner l'angle de cette figure géométrique. Donc ça, c'est un constat assez particulier, qui est tout de même assez troublant, qui suppose des connaissances astronomiques très très poussées. Cette hypothèse-là, donc, qu'on formule pour le site de Cusco, elle peut être appuyée, par exemple, par d'autres choix de construction de lieux majeurs pour ces raisons-là. Par exemple, le site de Karnak, le site mégalithique de Karnak, c'est la plus grande concentration au monde de monuments mégalithiques, de dolmens, de menhirs, de tumulus, etc. Et à cet endroit-là, quand on est au solstice, le soleil, en fait, va vous tracer l'angle diagonale d'un rectangle qui vaut 3 par 4. Et cette diagonale, elle vaut 5. Et donc c'est le triangle de Pythagore, le premier triangle, le 3, 4, 5, le premier triangle en nombre entier, qui permet de tracer l'angle droit, entre autres. Donc ça, c'est pareil, c'est très particulier. Donc une des pistes, c'est qu'on a placé ces monuments mégalithiques ici, la plus grande concentration au monde de mégalithes, construits, placés à cet endroit-là, pour cette raison astronomique et géométrique. Il y a deux autres exemples intéressants que je peux vous donner avec des figures toutes simples. C'est l'île de Pâques, puisqu'à l'île de Pâques, le soleil, lorsqu'il va se lever au solstice, il va former la diagonale d'un double carré. Et lorsqu'on est à la Karnak, cette fois-ci, non pas en Bretagne, mais en Égypte, c'est la diagonale d'un double carré également. Donc sur des sites majeurs, en fait, on observe
cette espèce de relation entre l'astronomie et une figure géométrique toute simple. Et donc pour aller plus loin, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder du coup, est-ce qu'on a tenté de relier la figure géométrique à une unité de mesure? Et au Pérou, vous allez le voir, sur Cusco, c'est le cas. Cette notion de racine de 5, puisqu'on a constaté que d'une part c'est le mètre qui est employé sur le temple de Coricancha, on devrait retrouver l'emploi de cette mesure métrique qui exprime la racine de 5. Et c'est le cas. On va aller voir ça. Sur la partie haute de la citadelle de Sacsayhuaman se trouve une grande enceinte rectangulaire, ainsi qu'une enceinte circulaire divisée en 12. L'association de ces deux éléments géométriques sur la partie haute de la citadelle m'a interpellé, et j'ai voulu les mesurer. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que l'enceinte rectangulaire mesurait 10 mètres par 22,36 mètres. À quelques centimètres près, je vous l'accorde. Juste à côté, l'enceinte circulaire mesurait 10 mètres. Enfin, une autre enceinte, un autre mur, s'y trouve et mesure quant à lui 44,72 mètres. Encore une fois, à quelques centimètres près. Il me faut donc trouver d'autres indices pour voir si cette mesure-là a réellement été employée sur les sites de Sacsayhuaman et Cusco. La mesure de 44,72 mètres, c'est 20 fois 2,236. Et bien cette mesure, on la retrouve dans les salles du temple du Coricancha. Les niches, dont la fonction est inconnue, et dont les spécialistes supposent qu'il s'agit de lieux de dépôt des offrandes, j'ai pu les mesurer à défaut de pouvoir répondre à leur fonction. Et j'ai constaté que ces niches mesuraient 44,7 cm de large et qu'elles étaient proportionnées suivant le ratio du nombre d'or. Bon, essayons de nous résumer. Ici, à Cusco, tous les sites qu'on visite, en fait, ils sont impressionnants parce qu'on voit bien que c'est un travail de dingue pour construire ces temples. C'est des pierres qui sont assemblées sans utiliser de ciment, c'est des pierres parfois très difficiles à tailler. Et tout ça, c'est ajusté avec une finesse qui est vraiment incroyable. Et ça, ça peut être fait que par des gens qui sont vraiment des artisans hautement qualifiés, de très très haut niveau, c'est carrément des artistes. Donc on a consacré une énergie énorme, on s'est investi de manière très, très passionnée quasiment hein, pour faire ces choses-là. Donc il y a une intention qui est très forte pour réaliser tout ça. Et ça, c'est ce qu'on a comme impression lorsqu'on observe. Mais lorsqu'on se met maintenant à observer, mais à étudier de manière plus approfondie, c'est-à-dire à mesurer par exemple, puisque de toute façon, on ne va pas démonter les objets pour voir ce qu'il y a en dessous. Et quand on mesure, dans ce cas-là, on découvre tout simplement que ces monuments sont faits en utilisant une mesure qui est l'unité métrique. Fait complètement improbable, pourtant factuel. Deuxièmement, on constate qu'à cet endroit-là, si on se met à étudier les choses d'un point de vue astronomique, car on sait que dans cette culture péruvienne, la relation avec le Soleil est quelque chose de très important. Eh bien, lorsqu'on étudie le lever de soleil au moment du solstice, on s'aperçoit qu'à cet endroit-là, le soleil va former, avec les axes cardinaux, la diagonale d'une figure géométrique simple, qui est un rectangle de 1 par racine de 5, qu'on obtient par un tracé géométrique tout simple, comme on l'a vu tout à l'heure. Et en plus, le fait qu'on utilise l'unité métrique, eh bien, on va retrouver la racine de 5 exprimée en mètres, puisqu'on a des mesures qui font des multiples entiers de racine de 5 en mètres. On l'a vu, la mesure de 44,72 pour les niches dans le Coricancha. On l'a vu également, une mesure de 44,72 mètres. On l'a vu également sur l'enceinte rectangulaire qui fait 10 mètres par 22,36 mètres. Il y a clairement ici une intention de construire quelque chose de majeur à un endroit parce que cet endroit est important pour des raisons astronomiques et géométriques. Et peut-être d'autres raisons qui nous échappent encore.
Nous voici sur le site de Pissac, à l'entrée de la vallée sacrée de l'Urubamba. De gigantesques terrasses de culture y furent construites jusqu'à 3600 mètres d'altitude. Le sommet de la ville est marqué par une petite place qui surplombe la vallée et les terrasses. On constate que deux types de murs coexistent. Les plus anciens, de qualité remarquable, et par-dessus, les structures plus banales qui témoignent d'un réemploi du site. Nous allons poursuivre vers Ollantay Tambo, avec les énormes monolithes hissés en haut d'une colline, comme pour marquer cet emplacement de manière durable. Ce site fut le dernier rempart des Incas, qui repoussèrent les conquistadors espagnols pour les empêcher d'atteindre le Machu Picchu. Quant à nous, nous gagnerons le célèbre Machu Picchu en train, puis à pied, dans la joie et la bonne humeur. Ça a l'air dur, hein? Tiens, viens le bloc de roche pour pas qu'il tombe, Philippe, hein? Je suis encore dessous, là. Vas-y, mais là... Tiens! Je me dépêche. Ces trois sites sont les trois principaux sites sacrés des Incas dans la vallée de l'Urubamba, ce fleuve tumultueux qui descend de Pissac jusqu'au pied du Machu Picchu. Là encore, ce que je découvre vient confirmer ce que j'ai constaté à Cusco. Nous sommes face à un peuple qui, avant les Incas, avait établi leur cité en des lieux stratégiques, en relation avec l'astronomie, mais aussi avec des considérations géométriques et métrologiques d'une incroyable précision. Mais tout d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est que sur ces trois sites, Pissac, Ollantay Tambo et le Machu Picchu, on observe que les murs les plus anciens sont assemblés par des maîtres tailleurs de pierre et que les constructions plus récentes sont moins précises et témoignent d'un réemploi de ces sites. Alors que je consultais l'itinéraire du voyage sur Google Earth, je me suis aperçu que Pissac, Ollantay Tambo et le Machu Picchu semblaient se positionner sur une même ligne. Ce qui me sautait aux yeux devait être vérifié, car si la précision de cet alignement est mauvaise, cela n'a pas de valeur. Regardons en détail avec Google Earth. Nous partons de la place la plus haute de la citadelle de Pissac, que voici. Pour nous rendre à la place la plus haute du Machu Picchu, c'est-à-dire le Huayna Picchu, la montagne qui accueille les constructions les plus hautes de la cité. Tous les points sont obtenus avec un relevé GPS plus précis que l'image Google Earth qui déforme sensiblement l'image des hauts sommets du fait de la perspective de l'image satellite. Ici, sur l'image, vous pouvez apercevoir le cœur du Machu Picchu en bas, et ici, le point haut qu'on appelle le Huayna Picchu, avec les constructions les plus hautes de la ville. Allons voir maintenant si cette ligne passe vraiment sur Ollantay Tambo. Elle y passe exactement, sur la place la plus haute du site, comme pour Pissac et le Machu Picchu, sur une distance de 80,9 km. Ce qui est important, c'est que le rapport de distance entre ces trois sites est un rapport en nombre entier, de 2 sur 5 et 3 sur 5. La valeur unitaire de cette ligne de 80,9 km est donc de 5 unités.
vous commencez à comprendre pourquoi j'ai fait un clin d'œil aux mystérieuses cités d'or. Les Espagnols ont trouvé de l'or en grande quantité, mais ils n'ont pas compris que le trésor n'était pas le contenu des temples, mais le contenant, que la mesure est le gardien de la connaissance d'un peuple d'avant, dont nous avons perdu la trace et dont ne subsistent que des légendes et mythes, que nous regardons sans pouvoir en évaluer la pertinence. Le Machu Picchu a bien des secrets à livrer. Pour les Incas, il fallait préserver ce site du pillage des conquistadors espagnols. Le Machu Picchu semble être le détenteur d'un très grand secret. Il est de toute évidence le lieu où se retrouvaient les savants d'une époque révolue, une sorte de forêt des Carnutes au cœur des montagnes andines, dans un endroit où la vue est somptueuse et vous touche profondément. L'aspect esthétique est loin d'être la seule raison du choix de ce lieu. Comme vous l'avez vu, ces bâtisseurs inconnus étaient capables de concevoir de vastes alignements de sites majeurs sur plusieurs dizaines de kilomètres. Mais attendez d'en voir un peu plus. Sur le centre de la place principale du Machu Picchu se trouvait avant un très grand menhir de près de 7 mètres de haut. Ce dernier fut brisé lorsque le roi d'Espagne vint s'y poser en hélicoptère. Mais fort heureusement, une partie de ce gigantesque monolithe se trouve toujours dans le sol, marquant l'emplacement clé du Machu Picchu. La présence d'un monolithe brut fait immédiatement penser à un très grand menhir, ce qui n'est pas utopique, car nulle autre civilisation que les peuples mégalithiques n'ont laissé les traces de leurs traditions et leurs sciences sur tous les continents. Les menhirs et dolmens sont partout sur la planète, et même si les académiciens refusent d'y voir une science commune, les faits sont là, troublants, immuables, pouvant donner un sentiment d'inconfort, car ils remettent en cause ce que nous croyons savoir de l'histoire, de notre histoire. On trouve sur la plus ancienne cité du Pérou, à Caral, datée de presque 5000 ans, des monolithes mégalithiques dressés. Ce sont bien des menhirs. Le seul moyen de savoir s'ils sont érigés par un peuple disposant d'une culture commune avec ceux qui érigèrent les mégalithes en Europe, c'est d'étudier la façon dont ces éléments sont organisés entre eux. Les peuples mégalithiques, nous l'avons vu, organisaient l'implantation de leurs menhirs en fonction des solstices en utilisant les mêmes principes que ce que nous avons constaté à Cusco. Ils créaient avec les menhirs d'immenses systèmes d'alignement où les angles et les mesures reflétaient leur science profonde, subtile et harmonieuse avec leur environnement. Je l'ai compris en étudiant avec assiduité et pendant plusieurs années les mégalithes et les auteurs qui ont commencé à en percer leurs secrets. Le triangle 3-4-5 et le double carré n'avaient aucun secret pour ces peuples qui organisait l'espace en suivant ses figures géométriques sur de grandes distances. Sur le site de Caral, dans le nord du Pérou, à 670 km de Cusco, le lever de soleil au solstice d'été, à l'époque de la construction de cette cité, il y a 5000 ans, le soleil se levait par rapport à l'axe des équinoxes précisément dans la diagonale d'un double carré, du fait de la montagne qui retarde le lever de soleil. Or, toute la cité est orientée dans cette direction. Les principes astrogéométriques à Caral sont les mêmes que ceux qui sont employés sur les sites mégalithiques en Europe, à Karnak en Égypte ou sur l'île de Pâques. Revenons au monolithe du Machu Picchu. Voici ce que nous pouvons observer. Si on trace une ligne
qui rejoint le site de Kenko, qui se trouve à Cusco et qui sert à marquer l'axe du solstice, mais aussi sur lequel on y trouve un immense monolithe de pierre naturelle, encadré par des pierres finement ajustées. Sur plus de 70 km à travers les montagnes, ces deux monolithes sont reliés par un angle moyen de 31,72 degrés. C'est-à-dire celui d'un rectangle d'or précisément orienté sur les axes cardinaux. Voici comment ces monolithes relient le Machu Picchu au site sacré de la région de Cusco. Cette découverte d'une organisation géométrique de l'emplacement des différents sites sacrés des Incas mérite d'être approfondie. Essayons d'y voir un peu plus clair. Ce gigantesque rectangle d'or mesure 30 000 toises mégalithiques sur son côté est-ouest. Cette observation d'un nombre entier en dizaines de milliers de toises mégalithiques est surprenante et vient renforcer l'idée que la science qui est exprimée ici est issu des peuples qui érigèrent menhirs et dolmens sur tous les continents. Le yard mégalithique, c'est la plus ancienne unité de mesure que les historiens et archéologues ont pu retrouver. Alors ils l'ont retrouvé de manière statistique en mesurant des centaines de cercles de pierre dans les années 50. Cela a été fait par le professeur Alexander Thom. Et en faisant ces mesures, il a constaté statistiquement qu'il y avait une unité de mesure qui ressortait, faisait 82,9 cm et qu'il a baptisé le yard mégalithique. Cette mesure était également employée avec une variante de 2,5 yards qu'on appelait donc la toise mégalithique. Et cette toise mesurait un peu plus de 2,07 m. À la fin de ses recherches, donc dans les années 70, le professeur Thom a sensiblement affiné sa mesure et donne une valeur de 82,94 cm pour ce qu'on appelle aujourd'hui le yard mégalithique, qui est une unité de mesure qui est aujourd'hui admise, bien que cela fût difficile à l'époque des premières publications. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand monde en fait qui conteste l'existence de cette mesure qui a été maintes fois validée et retrouvée. L'usage d'une mesure commune il y a 6000 ans de l'Écosse à la Bretagne, bien que très difficile à admettre à l'époque de cette découverte, finit par être admise et citée par les spécialistes. À l'image de Jean-Pierre Mohen, conservateur général du patrimoine mégalithique de Carnac, ou de Jacques Briard, directeur honoraire de recherche au CNRS. De nombreuses preuves nouvelles existent depuis et permet d'affirmer l'exactitude de cette découverte métrologique de près de 6000 ans. Retrouver 30 000 toises mégalithiques entre deux monolithes et sur une forme géométrique fondamentale peut difficilement s'expliquer d'un hasard fortuit. Le yard mégalithique a bien été employé au Pérou. Nous y reviendrons. Mais avant cela, il nous semble nécessaire de rappeler que les Incas ne sont probablement pas les peuples qui bâtirent ces temples. Ils réemployèrent les temples des régions conquises. Les historiens pensent que les Incas venaient des abords du lac Titicaca et leur civilisation n'aurait duré qu'une centaine d'années suite à l'arrivée des conquistadors espagnols. Allons faire un tour à Tiwanaku. Cette cité à l'est du plus grand lac d'Amérique centrale
se trouve être le centre d'une civilisation dont les archéologues estiment l'origine des premiers peuplements plusieurs millénaires avant notre ère. Cette civilisation aurait décliné pour disparaître autour de l'an 1200 de notre ère avec une apogée en l'an 700. Plusieurs temples composent la cité de Tiwanaku, et ce qui est frappant ici, c'est l'anachronisme entre des pierres brutes et mégalithiques dressées, exactement comme des menhirs, et des pierres taillées avec un niveau de technicité impressionnant. Des angles droits, des recoins, des surfaces parfaitement planes, des courbes, des gravures très précises sur des pierres très dures en andésite. Là encore, nul ne sait vraiment comment ces pierres furent taillées. Il s'agit d'assemblages totalement différents de ce que nous avons pu voir à Cusco ou au Machu Picchu. C'est le télémètre et la caméra à la main que je vais tenter de comprendre un peu mieux cette cité. L'archéologue allemand, Stubel, mentionne dans ses plans que certains blocs de pierre, en forme de H, sont façonnés de telle sorte qu'ils mesurent 1 mètre exactement. J'ai pu vérifier cela. De nombreuses pierres rectangulaires mesurent 1 mètre de large ou de hauteur. Mais compte tenu du nombre de pierres présentes sur le site, on pourrait rétorquer que cela est possible d'un point de vue statistique. Étant moi-même pointilleux, j'ai cherché des indices plus significatifs. Howard Crowest, dont j'ai fait part de mon intention de me rendre en Bolivie, m'a suggéré d'aller vérifier certaines mesures qui avaient été faites par l'Allemand Stubel. Sur ces plans, on trouvait de nombreuses mesures en mètres justes. À l'est de l'enceinte principale, se trouvent les restes d'un petit temple qu'on appelle Kantatalita. On peut y voir clairement les fondations du temple, ainsi qu'une grande dalle de pierre qui ressemble à une maquette du temple. C'est cette dalle-là qui va nous confirmer l'usage du mètre de manière étonnante et magistrale. Cette dalle n'est pas exactement carrée, mais un des côtés mesure 4 mètres, ce que Stubel avait déjà remarqué. Mais le plus intéressant, c'est que l'enceinte gravée à l'intérieur mesure 1,618 m par 2,157 m. Soit un rectangle de proportion 3 par 4. Le côté 3 mesure le nombre d'or exprimé en mètres. Il s'agit en soi de quelque chose de tout à fait remarquable. Mais cette enceinte est marquée par un décrochement à l'est qui mesure 38,2 cm. Si bien que depuis l'entrée jusqu'au fond de l'enceinte, nous avons exactement 2 mètres. Un nombre entier de mètres. Et enfin, la dernière partie à l'ouest mesure 150 cm. Toutes ces mesures sont l'expression du mètre, du demi-mètre ou du nombre d'or en mètre. De telles observations métrologiques ne peuvent en aucun cas être l'objet d'un simple hasard. Nous pouvons pousser plus loin l'observation, car l'enceinte de proportion 3 par 4 a une unité de base de 1,618 divisé par 3, c'est-à-dire 53,93 cm. Or, cette valeur métrologique est connue en Égypte pour être la coudée nilométrique. Les savants français de l'expédition d'Égypte
sous Napoléon, rapporte avoir trouvé une colonne qui servait à marquer le niveau des crues du Nil et dont les intervalles étaient de 53,9 cm. D'où le nom de cette mesure qu'on appelle coudée nilométrique. Et cette coudée vaut un tiers du nombre d'or exprimé en mètres. Cette mesure fut par exemple employée aussi pour déterminer la base de la pyramide de Khéphren qui mesure 400 coudées nilométriques de large. Pyramide qui, rappelons-le au passage, est aussi proportionnée suivant les proportions du triangle de Pythagore, le 3, 4, 5. Rappelez-vous le début de mon voyage. Le temple du Coricancha mesure 8 mètres par 12,94. Mais 12,94, c'est exactement 24 coudées nilométriques. Ce qui veut dire que l'enceinte du Coricancha contient l'unité métrique sur la largeur et la coudée nilométrique sur la longueur. Et bien entendu, cette coudée nilométrique et le mètre sont utilisés dans nos deux exemples, ici à Tiwanaku et à Cusco, pour mettre en évidence le nombre d'or. Juste à côté de la maquette de pierre qui se trouve à l'extrémité du site, se trouve une autre petite enceinte. Allons la voir d'un peu plus près. Donc cette enceinte intérieure qu'on appelle l'enceinte de Kantatalita, là, dans laquelle on a retrouvé notamment les restes d'une porte qui se trouve juste devant moi, on a mesuré en fait les dimensions de cette enceinte. Vous voyez ici, il y a des encoches sur lesquelles pouvaient se trouver des blocs qui devaient se poser en fait sur ce socle. Et nous on a mesuré les dimensions de l'enceinte intérieure. Les fondations de l'enceinte mesurent 13,42 m par 17,90 m. Soit un rectangle de proportion 3 par 4, exactement. Ici, l'unité de mesure est de 13,42 m divisé par 3, égale 4,472. Cela ne vous rappelle rien ? Si vous avez bien suivi, ce nombre est l'expression de la racine de 5. 2 fois 2,236 égale 4,472. Mais l'emploi de cette mesure, que nous pourrions appeler une coudée, de 44,72 cm, ne s'arrête pas à cette enceinte-là. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est en préparant le film que j'ai remarqué qu'en réalité, les 4 enceintes que j'ai pris soin de mesurer était conçu avec une mesure unitaire de 44,72 cm. L'enceinte du Kadasasaya mesure 128,35 m par 118,06 m. L'enceinte à l'ouest mesure 41,15 m par 49,19 m. Et enfin, l'enceinte semi-enterrée, juste à l'est, mesure 25,95 m à 28,33 m. Soit 8 mesures, dont 7 sont des multiples en nombre entier de 44,72 cm.
Cette mesure est la même que celle employée sur les niches du Korikansha et sur les enceintes de Sacsayhuaman. Ce qui au fond est logique, puisque la tradition orale nous enseigne que les Incas seraient venus des abords du lac Titicaca. Mais ce qui est improbable et qui pose une question de taille, c'est que cette mesure est issue d'une mesure métrique basée sur un nombre irrationnel qui est la racine de 5 et dont nous avons vu qu'il est la clé numérique pour exprimer le nombre d'or. La formule mathématique exacte du nombre d'or est 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2. Même le concept fondamental du rapport 1 sur 2, qui est celui du double carré, est exprimé ici. Bien sûr, démontrer ainsi que le mètre était une mesure connue de l'autre côté de l'Atlantique, plusieurs millénaires ou siècles avant son officialisation, est à même de susciter de grincements de dents. Mais les faits sont là, indéboulonnables et novateurs. Ici à Tiwanaku, on connaissait le mètre et la taille de la Terre. Illustrons cette connaissance avec un autre exemple. La distance qui relie la porte du Soleil jusqu'à la statue centrale en andésite est de 100 mètres, avec un azimut de 26,56 degrés, qui est la diagonale d'un double carré. Dès lors, les carrés mesurent exactement 44,72 m. Les archéologues n'ont pas prêté attention à ces mesures, il y a bien un plan de l'enceinte de Klatsasaya, mais pas pour les autres enceintes, on ne trouve pas de plan précis. C'est pour cette raison que j'étais venu avec un télémètre de chantier pour faire des relevés inexistants pour le public et les métrologistes historiques. Voici le plan de l'enceinte de Klatsasaya effectué en mai 2017. Ce plan permet aussi d'y voir un peu plus clair sur certains aspects géométriques que Howard Crowhurst avait déjà évoqué dans deux conférences sur la cité de Tiwanaku. On s'aperçoit que l'enceinte principale et la petite enceinte semi-enterrée ne sont pas des carrés. Ce sont des rectangles de proportion 23 par 25. À l'intérieur de la grande enceinte se trouve une autre enceinte qui délimite un rectangle de proportion 23 par 50. Or, ce dernier rectangle détermine exactement l'angle solstitial à cette latitude et altitude de 3820 mètres. Mais y a-t-il un rapport avec le nombre d'or? Oui. Howard a compris que l'emplacement des 5 portes, de la Lune, du Soleil, de Klatsasaya, de l'enceinte semi-enterrée et de Kantatalita sont alignés suivant un axe de 20,9 degrés qui détermine un rectangle de proportion 1 par 2,618. Soit le nombre d'or au carré. Mais le plus étonnant, c'est que cet axe divise la saison en 55 et 34 jours pour un total de 89 jours pour la saison d'hiver. Soit trois nombres de la suite de Fibonacci qui nous délivre le nombre d'or. 89 divisé par 55 est égal à 1,618. Par chance, j'étais présent en Bolivie au 55e jour après l'équinoxe. J'ai donc pu vérifier que le soleil se couchait dans cet axe.
Tiwanaku est une cité absolument incroyable, tant par la finesse des pierres taillées et gravées que par les mesures des monuments et son organisation en fonction de repères astronomiques. Les connaissances et principes que nous observons ici semblent issus d'une même source, d'un peuple que nous ne connaissons pas, mais qui a bien laissé les traces de ses connaissances sur l'ensemble du globe. Les découvertes ne s'arrêtent pas là, car avant de venir à Tiwanaku, je suis passé voir la porte d'Ayumarka. Une porte gigantesque et isolée, taillée dans une falaise de calcaire rouge à plus de 100 km de Tiwanaku. Cette porte est la source de légende, et les habitants de la région lui accordent une grande importance. On raconte que s'y trouvait un disque d'or à l'emplacement de la cupule qui se trouve au centre de la porte. Évidemment, cela peut nous faire penser à la légendaire porte des cités d'or. Et je pense sincèrement que c'est le cas, mais pas de la façon dont nous l'imaginons. Il s'agit d'une métaphore. Cette porte ne s'ouvre pas, mais elle nous indique clairement l'emplacement d'un trésor. Tout d'abord, cette porte se situe exactement sur l'axe du solstice depuis Tiwanaku, et précisément depuis la pyramide de l'Akapama. Sur le trajet de cet axe du lever de soleil au solstice, se trouve une immense montagne visible depuis Tiwanaku. Ensuite, cette porte est taillée dans une crête rocheuse précisément orientée de 31,7 degrés par rapport au nord, soit l'axe d'un rectangle d'or. Enfin, on observe des veines naturelles dans la roche, et ces dernières sont naturellement inclinées de 26,5 degrés par rapport à l'horizontale. Une de ces veines indique exactement le coin du carré qui se trouve à droite de la porte. En étant plus attentif, on comprend que l'ensemble est organisé avec un grand carré, un double carré et un triple carré. Cette porte a été taillée dans une falaise rocheuse orientée sur le plan horizontal en suivant la diagonale d'un rectangle d'or et sur le plan vertical en suivant la diagonale d'un double carré. C'est selon moi, pour ces raisons, que la porte fut taillée ici. Elle est sur l'axe du solstice depuis Tiwanaku. Elle est taillée sur un élément naturellement orienté suivant le nombre d'or. Et ce n'est pas tout. C'est avec cette roche-là que furent érigés certains monolithes de Tiwanaku. Et j'ai gardé le plus amusant pour la fin, car cette immense porte a des dimensions intéressantes. Elle mesure 7,07 m par 7,07 m, ce qui lui confère une diagonale de 10 mètres exactement. Même si cette porte n'est pas taillée avec un très haut niveau de finition, on peut clairement identifier des stratégies géométriques simples qui impliquent l'usage d'une mesure, et ici, encore une fois, le mètre pourrait bien être utilisé. Partout où je suis passé, il fut très simple d'observer que les sites ne sont pas construits au hasard, mais en raison de considérations astronomiques évidentes, et avec l'usage d'une ou plusieurs unités de mesure improbables.
Pour terminer mon récit, j'aimerais revenir sur la mesure du mètre, qui est considérée comme une mesure arbitraire et moderne. Mais j'ai publié une étude métrologique qui rappelle que depuis la plus ancienne unité de mesure connue, à savoir le yard mégalithique, on s'aperçoit que de celle-ci découlent toutes les autres mesures antiques, telles que la coudée de Nippur, la coudée égyptienne, le pied romain ou le pied grec, et finalement le mètre. C'est comme si ces deux unités de mesure, le mètre et le yard mégalithique, étaient issues d'une seule et même civilisation qui l'a étalonnée sur la taille de la Terre. Eh bien, cela se confirme aussi au Pérou, et notamment dans le temple du Coricancha. Rappelez-vous, au début de mon voyage, j'ai montré que ce temple est conçu avec le mètre comme unité de mesure. Mais il y a une autre salle dans ce temple. Eh bien, cette salle, quant à elle, est construite en utilisant le yard mégalithique. Les dimensions de la salle sont un nombre entier de yards mégalithiques, 5 par 14 yards mégalithiques, et l'épaisseur des murs mesure exactement 1 yard mégalithique. Et même les niches de cette salle permettent de retrouver la mesure du yard mégalithique. Rappelez-vous, la base du trapèze des niches mesure 44,72 cm, mais de l'autre côté du trapèze, plus étroite, elle mesure 38,2 cm. Or, la somme de ces deux mesures nous délivre un yard mégalithique. Plus subtil encore, le triangle rectangle qu'il est possible de dessiner à l'intérieur du trapèze mesure à sa base un demi-yard mégalithique. Savez-vous où l'on retrouve le yard mégalithique en Amérique du Sud? Sur la cité de Teotihuacan. Un archéologue, Saburo Sugiyama, a démontré qu'une mesure de 83 cm a été employée pour la conception des monuments et de la ville. Toutefois, l'auteur a arrondi l'unité de mesure qu'il a observée à 83 cm. Mais en regardant d'un peu plus près les éléments qui lui ont permis de conclure, on s'aperçoit que la mesure exacte et de 82,96 cm, soit une mesure identique au yard mégalithique, découvert par le professeur Tom, à moins de 2 dixièmes de millimètre près. Tout porte à croire que le yard mégalithique, employé par un peuple inconnu il y a 6 à 7 000 ans, fut exporté en Amérique du Sud avec un corpus de connaissances et de principes astrogéométriques. D'ailleurs, certains archéologues qui travaillent sur le site à l'image d'Ortega expliquent « Avant la construction des pyramides, il y a eu une sacralisation des lieux, car on retrouve des mégalithes devant les monuments. Ces mégalithes avaient une énorme valeur aux yeux des occupants de Teotihuacan. » Le temple de Coricancha est conçu avec deux mesures aussi improbables qu'extraordinaires, le yard mégalithique et le mètre. En théorie, ces mesures sont séparées de près de 7000 ans, et pourtant, ce sont deux mesures qui furent employées dans le temple de Coricancha. Les nombreuses observations et informations recueillies durant ce voyage apporte des preuves solides quant à l'usage d'une science astronomique et géométrique dont la plus ancienne trace remonte à presque 8000 ans, en Europe de l'Ouest, sur les systèmes mégalithiques majeurs, tels que Karnak en Bretagne. Des milliers de menhirs et dolmens érigés ici mettent en évidence les principes de la première architecture monumentale du monde. Un peuple lointain avait une connaissance exacte de la mesure de la Terre. Ce peuple exprima sa science géométrique et métrologique en lien avec l'astronomie. Ce corpus de connaissances est répandu sur la planète entière pendant des millénaires de manière pacifique. Un peuple capable de consacrer durablement autant d'énergie à l'expression de leurs connaissances, en reliant l'art et la science, ne peut que nous interpeller
et nous inspirer comme un exemple unique et majeur dans l'histoire de l'humanité, de notre histoire. Mon voyage se termine. Il est temps pour moi de repartir depuis la plus haute capitale du monde, La Paz. Ville impressionnante au bord de la cordillère royale. Plusieurs mois furent nécessaires pour que je puisse faire mûrir ce film et le partager ainsi de manière rigoureuse et audacieuse. Au revoir et à bientôt.